Tilon Ville Verte, un slogan qui répond à son nom. La ville de Tilon a tenu ce dimanche 9 août 2020 la cérémonie officielle de la Journée de l'Art. En effet, des personnes de haute marque ont pris part à l'événement. Le maire Sidi Kawori Dia, le représentant de la zone nord Mamadou Dia, le représentant du mouvement Arwat Abdoukhadr Mbow, l'ex-maire Abou Guissé et aussi le président du TED local Samba Aligno. Le maire de la commune de Tilon a rappelé aux populations l'historique de la vieille ville et appelle aussi à mieux s'investir dans l'environnement. Avec la volonté de la commune, le conseil municipal, mes deux adjoints, le secrétaire municipal et le conseiller de Fouf, Boriatab. Ça s'est dit dans la région où on a de pépinière à l'ado. On doit avoir des chilons. Donc, si on dit qu'il y a des gens qui ont des gens, et des gens qui ont des gens, donc, il y a des gens qui ont des gens, il y a des gens qui ont des gens. Parce que les chilons sont verts, c'est-à-dire les bosses, les dames, les cannelles, et ainsi de suite. À la sens ndo moji ci lon fourango fo yo ndendu e den gandi four hanki no wano four hanki. Quant au président de l'association Mirai Vert di Fouta, Chérif Nianor, l'initiative portée par la vieille ville est à saluer. Venu là sur invitation du projet Tilogne Ville Verte qui a un partenariat très fort avec la mairie de Tilogne et les autorités administrative, représentée par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, l'agence sénégalaise de la reforestation qui est là. Et donc nous sommes là pour, ça a commencé hier, pour des activités de reboisement, que nous terminons aujourd'hui par un point de presse pour appeler toute la population sénégalaise à venir vraiment, la population du Fouta aussi, à venir s'investir dans le reboisement, dans la protection de l'environnement. Selon le commandant Mamadou Dia, ces deux jours constituent une occasion privilégiée pour la population. Magnifier l'engagement des populations à répondre à la volonté de l'autorité de renforcer le Sénégal. Nous, en tant qu'agents de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, nous avons trouvé déjà des partenaires déjà engagés et avec lesquels nous pourrons nous appuyer pour vraiment réaliser toutes les activités de reforestation que l'agence compte mener dans la zone nord, mais également dans le Sénégal. Le jeune soldat du mouvement Arwat du Nord, Abdoukhadr Mbow, appelle la jeunesse à un engagement citoyen pour un Tilon propre et vert. Ciel ne veut yo lab cher ko tourne sentir wurngo kalto mbalsi wono wurngo mi lamna chaabi cher min joko tire mer e kal Tilon naj ganda wade préniser kalto tul kalto lab tul muno labina ha labata wonta tul mener nyan wande. Donc yi hay don arwat ne yaha en wadi jinab amir won be en wadi minira amir wadi kawra amen ne wadi gugira amir ko rombe arwat. Ça veut dire que l'engagement citoyen enen ko jid andu suhabe hobe pat hunde fof e lamu ko pat hunde fof e maire wal hunde fof e mairie kambe yobe ndaro avant tout d'abord be ganda kambe goni do so wurngo feewi ko jeunesse so wurngo boni ko jeunesse donc dum mumin arwat ko wadde félicité ka Tilon Ville Verte parce que sen kali lekki en kala dum balis en kala question environnementale wana awro lekki rek woni question environnementale yim kaaro don sen bi lekki en kala affaire label lekki horum bi ko label sa dañi bouvre don ni lubo ni ukko berna wa jodado liki ala waxu nafdem donc combat enen fof c'est la synergie des forces ko dole Tilon Ville Verte dole mairie dole TAD dole Arwat dole Tilon ko kany way bam tour Tilon. Le président de l'association pour le développement de Tilon, Samba Aligno, a soutenu l'importance de l'arbre et invite la population à donner la main à l'association mère.
saldu heboro koy lekki so tawi ko gonga ene tiidi en ko njaharen gile 2016 ha hikka en dañi duubi nay yentino mbaden e hakkillaaji meden ko woni nafoore lekki hande ko heewi en baasi fuuta hanki e fuuta hande ene serti hanki ara yanno lelli ara nanano pobbine nguuna fof hande iwi wadi dum ko ladde de ala ledde ngala dum don ko dum woni darde amen ko dum woni darde teade e famnude bandiraabe kadi yobe ngandu Tilogne ville verte ko projet mo ganduda ko projet teade minen non tank e minedo emin badabe encourager emin jaada e mabbe haato haaji min badino hanki min badi hande min tampani min kaabani emin bada ha jango L'ex-maire de Tilogne, Mouché Abou Guissé, a exprimé sa fierté et s'est dit prêt à encadrer la nouvelle génération. Je suis très heureux de vous dire que vous avez dit 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 que vous Aku ni menyerah abang, bayar abang, ikhijerah abang. Doktor ni ada menjadi allah menjadi wabena badani. Pasca halu pular mi baki kei mahir gelo kece. Demade maham gelo kece. Budi hibi hagi. Sa iti laf ngon kay hore maka. Min laf ngon kay hore maka. Boda andi la chevelure. Commence à être grise manam lebi deneji puddi mo wonde der koy meden kon gilende en ha joni nyalawma hanki ade jori doyena. Nous sommes très contents, nous sommes très satisfaits, nous sommes très fiers d'assister aujourd'hui à ce que nous pouvons appeler solennellement un passage du témoin entre les anciens et les jeunes. Kon non min jabaani wonde tawde des anciens combattants de pour étaler nos médailles. Ngandé, nous sommes toujours au front avec vous. Le combat que vous avez, que vous menez avec force, avec vigueur, nous aussi, nous avons notre intelligence et notre expérience pour vous accompagner pour un Tilogne vert, un Bossa vert, un Fouta vert, un Sénégal vert. La ville de Tilogne en est à sa 4e édition. En effet, depuis 2016, quelques rentabilités ont été notées. L'objectif est de reboiser. Encore reboisé et toujours reboisé.